Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Crasso. Je suis ma cette date du 9, de lundi 9 mars 2015. Je suis juste à l'état-major, notre état-major de la brigade anti-sorcier. C'est vrai qu'ils ne sont pas aimés des gens, mais nous avançons parce que nous dérangeons les gens. Or, le ministère que nous agressons, c'est pour l'intégrité de l'homme et puis c'est pour, si vous voulez, c'est la paix, pour permettre à l'homme de connaître ce qu'on appelle la véritable paix et le suivi. Parce que l'homme doit vivre et malheureusement nous avons des personnes qu'on les appelle anti-sorciers. C'est vrai que nous sommes combattus de partout, de sur tous les fronts. Mais ça va, nous sommes là parce que nous avons une vision, c'est que nous sommes porteurs de vie. Or là où il y a Dieu, Jésus-Christ surtout, c'est la vie. Et nous avons des séries de lutte d'onction. On ne joue pas avec lutte d'onction, ça c'est beaucoup très important. Tous ceux qui n'osent pas dans l'ignorance ou qui ont voulu tenter Dieu, essayer, parce que le diable aime bien ça, ils ont connu un châtiment de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Et la Bible dit clair qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc pour nous, il faut même aider même de sortir le plus redoutable, la planète Terre. Donc voici un monsieur là qui, dans ses expériences, pensait qu'il pouvait, n'est-ce pas, dompter le pouvoir de lui, donc son pouvait dompter ça, c'est-à-dire ils ont cette capacité de pouvoir essayer, tester, est-ce qu'il y a quelque chose d'important, de sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Donc ils viennent, et en prenant des huiles, et malheureusement, ils subissent des sorts. Donc c'est un peu son cas. Ouais, c'est un peu ce qu'on a veillé, les arocos l'a veillé dans sa vie, ça fait maintenant 8 jours qu'il a subi, c'est ça, il a mis ça sur lui, et voici ce qu'il est devenu aujourd'hui. Voici ce qu'il est devenu aujourd'hui. Nous ne voulons pas, notre problème, ce n'est pas voir des gens dans ce genre d'état, parce que nous travaillons pour que les gens aient la vie, pas pour qu'ils soient comme ça dans ce genre d'état. D'ailleurs, des gens qui sont dans ce genre d'état, nous avons plusieurs fois délivré ces personnes. La preuve, nous avons tellement de vidéos sur le net, nous avons délivré des fous. Or, on ne tente pas Dieu. Et quand tu essaies, Dieu te fera châtier. Monsieur, ça va? Hein? Très bien. Qui est dans les chaînes? Explique-moi pourquoi tu es dans les chaînes. Tu es très bien et tu es dans les chaînes. C'est une grande souffrance que j'ai vécue. Ah, une grande souffrance. Tu as versé combien d'huile sur ta tête? Non, combien de... Réponds-moi, moi, si j'aime bien les questions-réponses. D'abord? Non, combien de bouteilles avant de faire d'abord? Je vais les compter un à un. Non, combien de bouteilles? Ah, tu vas les compter. Je ne veux pas me tromper, donc je vais les compter. Ok, allons-y, on y va. Premier jour, vous m'avez recommandé une bouteille. Ouais. Vous m'avez fait un bain là. Ouais. En allant à Zaroko. Ouais. J'ai payé une bouteille à Zaroko. Ouais. Excusez-moi pour m'avoir la histoire fatiguée. À Zaroko, j'ai payé une bouteille aussi là-bas. Et j'ai dit à mon frère. Non, vous avez utilisé toutes les formes de bouteilles. C'est pour, non, je... c'est pour, oui. C'est pour pas, je vais... Oh non, non. Oh non, je te pose une question. Je te laisse. Quand tu dis, je dis que le nombre, j'ai besoin. Est-ce que je peux te parler? La vérité en Jésus. Et Jésus est vérité, tu sais. Tu retrouves. Regarde comment tu te retrouves. Entends, il y a tout le monde. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu t'es retrouvé à l'hôpital. Voilà, tu t'es retrouvé à l'hôpital. Tu as utilisé l'huile, l'onction. Ouais, moi-même aujourd'hui, là, quand quelqu'un vient dans le centre, même s'il est sorcier, je le laisse utiliser l'huile pour voir l'efficacité de l'huile. Non, mais c'est important. C'est important de voir si notre huile la même est efficace. Donc je le laisse utiliser et puis je vois l'effet que ça va sur lui. Voilà, c'est ça. Ok. Vous comprenez? Okay. Vous avez utilisé l'huile. Vous avez utilisé l'huile. Monsieur, oui ou non? J'ai utilisé l'huile. Mais c'est ce que je cherche à savoir. Et puis regardez comment vous êtes devenu. Ouais, on ne se moque pas de Dieu. Oui, je sais. Je suis très, très, ouais, très bien. Donc c'est après que vous avez utilisé l'huile que vous êtes comme ça. Vous êtes devenu très bien. Écoutez, c'est pas après ça. Non, quand tu venais ici, est-ce qu'on t'a enchaîné? Non. Quand tu quittais chez toi pour venir ici? Le premier jour, non. Oui. Le premier jour, je venais vous voir. Non, je te pose, c'est ça. Quand je venais le premier jour, mm-hmm, je commence à m'enchaîner. Non. Tu n'as jamais enchaîné comme ça? C'est pas vous qui m'avez enchaîné? Non, je ne peux pas des derniers jours là. Hein.
quand tu venais me voir la première fois. Première fois, je suis venu vous voir. Je n'étais pas en chemin. Ah, c'est quand tu as utilisé l'huile. Attends. Voilà. C'est quand tu as utilisé l'huile que tu t'es retrouvé comme ça aujourd'hui. Quand j'ai utilisé. Non, oui ou non. C'est après avoir utilisé l'huile, c'est pas ça? Oui. Ah, non, attends, attends. La question je pose. Laisse-moi poser la question. La question c'est quoi? Comment? Parce que vous avez utilisé de l'huile et vous êtes retrouvé chez vous. C'est vos parents qui vous ont ramené. Non, c'est la chose la plus sûre. Jésus est vivant. Je me rencontre la première fois. Vous étiez dans quel état? Ok. Maintenant vous étiez très bien. Maintenant, et vous avez utilisé de l'huile, puisque j'ai recommandé de l'huile, n'est-ce pas? C'est ça. Ok. Vous avez versé de l'huile sur vous? C'est vous qui m'avez versé. Non, non, non. Oui ou non? Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un. Non, pour est-ce que l'huile. Position, c'est l'huile. Il a mis sur moi. Oui. Et quand on a mis versé l'huile sur vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? On est allé à Zaroko. Oui. Ok. Quand on est arrivé à Zaroko, vous avez utilisé combien d'huile là-bas? Là-bas, je n'ai pas utilisé l'huile, mais j'ai payé une. Donc vous n'avez pas versé ça chez vous? C'est après. Mais après là, c'est pas utilisé. Après quand non, le français est utilisé, ça veut dire qu'on a fait. Mais de la manière c'est fait là, c'est comme ça qu'il verse. Non, non, non. Est-ce que. D'abord réponds ma question. Tu sais moi mon problème, je ce n'est pas. Je pas mentir, tu sais, monsieur, pas monsieur, mentir. Monsieur. Oui, est-ce que vous n'avez pas utilisé l'huile après? Azarokon se souvient que tu as mis de l'huile sur toi. Tu as mis de l'huile sur ton. Tu as combien d'enfants? Deux enfants. Tu as mis l'huile sur ton premier enfant, tu lui as traité de démon. Le deuxième enfant est démoniaque. Et tu as versé de l'huile sur ta femme. C'est pas ce que j'ai dit? Oui. Ah non, tu l'as fait à Zaroko. Ta c'est femme, pas, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. C'est pas devant Dieu. À Zaroko, la veillée, là, je t'ai vu dans le stade des gens qui versaient de l'huile. C'est vraiment faux. Non. Mensonge. Donc je mens, moi je mens. Toi, c'est. Non, 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 non. Mais non, 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 je n'aime pas ce que tu en as dit. Parce que je t'ai vu dans le staff. Des gens qui mettaient de l'huile. Ta femme est venue avec toi ici. Ils t'ont emmené à l'hôpital. Monsieur, 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 est-ce que vous savez ce qu'on appelle saint? Qu'on est saint, qu'on est saint. Voilà, merci. Il reconnaît la sainteté de Jésus. Jésus, il n'est pas dans le faux. C'est ça qui t'a des problèmes. Alléluia. Voilà. Il allait à Zaroko, tu as utilisé de l'huile. Assieds-toi, si tes deux enfants. Et du coup, après, laisse-moi parler. Je peux parler. Je peux parler. Vous pouvez parler, mais ce n'est pas à Zaroko. J'ai fait l'huile d'onction sur mes enfants. Mais c'est où? Si vous pouvez permettre. Non, non, c'est où? C'est où? Ok, allez-y. Si vous permettez que Jésus mette, je vais expliquer. Ok, allons-y. Mais moi, je vous ai vu dans le stade de la veillée. Oui. Tu étais dedans. Oui. Non, mais c'est ce que j'en ai dit. Mais ce n'est pas là-bas que j'ai fait. Non, mais tu as mis de l'huile sur toi la veillée. Non, si. Oh. Ah, tu rencontres quoi? Oui, tu as perdu la raison. On a mis la lui sur toi. Il t'a fini ici. Tu as mis ça chez toi là-bas à Zaroko. Si tu. Jésus est Seigneur. Qui ne sait pas? C'est toi qui ne sais pas que Jésus est Seigneur. C'est toi qui parlais de la sorcière. Tu as deux. Tu as les serpents. Si Jésus est sorcier. Tu as les deux serpents qui vivent. Tu as les deux serpents qui vivent. Si Jésus est sorcier, je vais voler. Mais c'est qui dit là? C'est qui dans les lignes? Si Jésus pas sorcier. J'ai la capacité de te délivrer. Non, non, non. Je peux te délivrer comme te laisser mourir. À tout. Voilà. Donc, écoute-moi. Je suis pas en train de m'amuser à toi. Je suis pas obligé de. Je suis pas obligé. Non, je suis pas obligé de parler à toi. Parce que non, écoute-moi. C'est, on arrive au stade. Ah, il est plus. On ne joue pas avec Dieu. C'est tout ce que je veux dire. On ne s'amuse pas avec Dieu. Quand tu t'amuses, avec Dieu. Il a pris quatre bouteilles. Dans une bouteille, elle a veillé. Il a mis sa petite, son fils, les deux enfants et sa femme. Il se retrouve dans ce genre d'état. Nous, on n'était pas là. On a envoyé un ventier. Il était devenu fou. Et c'est nous qui l'avons maîtrisé pour l'aider à abandonner certaines choses. Shalom.